Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Impossible ou pas. Aujourd'hui, nous allons nous rendre dans une région de légende, Bassou. Bassou est une commune française qui est située dans le département du Gers. Ce beau petit village de France nous raconte des histoires étranges. Surplombé par son donjon qui fut achevé en 1371, grâce au cardinal Arnaud Aubert, ce village nous dévoile ses secrets. En effet, en novembre 1020, Raymond, seigneur de Bassou, fit donation de l'église de Saint-Frice aux moines de Pessan, à condition que fût bâti un couvent de bénédictins qui a aujourd'hui disparu, près du tombeau du saint, la basilique de Saint-Frice. On y reviendra tout à l'heure à Saint-Frice. Ce couvent fut occupé par les moines, mais plusieurs fois dévasté et les religieux maltraités. En 1270, un seul moine occupait les lieux. Ce moine, on dit qu'il périt dans d'atroces souffrances. On croit même qu'il aurait été assassiné. Ce n'est qu'une quarantaine d'années plus tard, un 14 décembre, que le sacristain de l'église de Bassou, qui traversait la place publique, il entendit, en un seul coup, sonner les cloches de l'élévation. Il pénétra alors dans le chœur avant d'assister à un incroyable phénomène. Là, devant lui, officiait un moine qui, en le voyant, s'évanouit aussitôt, il disparut. Au-dessus de la tombe d'un prélat, du prélat du casse-Dieu, qui avait été inhumé 46 ans auparavant. Inutile de vous dire que le sacristain prit ses jambes à son cou. Alors, j'ai mené ma petite enquête en pleine journée, mais malheureusement, en cette période de Covid, toutes les églises et tous les endroits touristiques étaient fermés. Donc, j'ai dû faire ça à l'extérieur. Il y avait un truc qui s'était enclenché là. Ici, il y a quelque chose. Bon, maintenant, il faut voir s'il n'y a pas une ligne électrique. J'ai pas filmé. Ici, il y a quelque chose. Attends, je suis... C'est pas régulier, hein. Il y a des fluctuations par moment. Comme vous pouvez le constater, tout est calme. Aucune lumière s'est allumée, quoique quelquefois hors champ, j'ai eu quelques fluctuations, comme je dis dans la vidéo, mais rien de bien probant. Donc, pas de fantômes à l'église de Bassou. Rendons-nous maintenant à la basilique Saint-Frice. Elle est entourée d'un cimetière, par contre. Et là, peut-être que je trouverai quelque chose. Frice, neveu de Charles Martel et fils de Rabot, roi des Frissons, engagea un combat. Les Francs furent victorieux, mais au cours de l'action, Frice fut frappé par une flèche. Son cheval l'emporta loin du champ de bataille, sur les bords d'une petite rivière, la Guiroux, où le héros périt. Ses compagnons l'ensevelissent sur place. Si le souvenir du combat contre les infidèles restait vivace pour la population, l'emplacement de la tombe, lui, était ignoré. Quelques 200 ans plus tard, un
paysan du lieu fut fort intrigué par le comportement d'une de ses vaches. Jamais cette bête ne prenait de nourriture, et pourtant, elle était la plus belle du troupeau. Il la surveille et constata qu'elle allait lécher une pierre dissimulée dans les broussailles. Le paysan dégagea la pierre et découvrit un sarcophage. Ayant soulevé le couvercle, il se trouva en présence du corps d'un guerrier encore recouvert de son armure, avec son casque et toutes ses armes. Une fontaine jaillit du sol à l'instant même. Alors, l'homme se souvenant de la bataille qui s'était jadis livrée ici, ne douta pas un seul instant qu'il venait de découvrir les reliques de Fris, le saint martyr, mort pour défendre la chrétienté. Avec ses voisins, il décida de lui donner un tombeau plus digne. La basilique Saint-Fris, entourée de son cimetière, me donna l'envie de sortir mon appareillage et de faire une enquête en pleine journée. Y a-t-il quelque chose qui erre ici ? Si jamais, il peut faire actionner les petites lumières qui sont là. Très calme. Ce côté-ci m'inspire pas. Mon appareillage resta muet, le K2 également. Par contre, près d'une tombe de ce cimetière, venant du sol, j'ai entendu un bruit sourd comme si quelqu'un donnait un coup. J'ai été intrigué également par des signes sur les pierres de cette basilique. Si quelqu'un pouvait me dire qu'est-ce que ça signifie, est-ce que ce sont des pierres avec des dessins alchimiques ou bien autre chose, je vous laisse me le dire dans les commentaires de la vidéo. La basilique deviendra le lieu de repos éternel de Saint Fris. Alors, y a-t-il un fantôme de moine qui erre dans l'église de Vassou, dans le donjon ou même dans cette basilique? C'est à vous de décider. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour savoir si je poste d'autres vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu pour mieux me référencer. Et surtout, partagez la vidéo. Je vous retrouve bientôt. Au revoir. Thank you.